Bonjour à tous. Alors, je suis le nouveau chef de l'établissement d'hôtellerie Le Castellas à Collias. Ça fait maintenant un mois que je suis sur la maison. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette à base de pigeons et de foie gras. Pour accompagner ce plat, j'ai choisi un cru Côte du Rhône de la maison Chapoutier 2011. L'appellation Gros Hermitage est un cru septentrional des Côtes du Rhône. Situé sur la rive gauche du Rhône, on y produit principalement des vins rouges avec pour seul cépage la Syrah. Les vins sont à la fois puissants et fins, gourmands et croquants, exprimant des arômes fruités et complexes. Pour commencer, on va passer sur le pigeon. On va habiller le pigeon, on va le flamber, le préparer. Alors on va brûler toutes les petites plumes qui lui restent. On va frotter pour enlever tous les petits points noirs. Alors ça demande un petit peu de patience, un petit peu de travail. Et après, on commence par la tête, les ailes et ensuite les pattes. Après, on va l'ouvrir pour le vider. La partie la moins agréable, nettoyer le pigeon. On va enlever les poumons, le cœur, tout ce qui s'y trouve. Après, on va le rincer un petit peu. Voilà. On va le lever à cru, c'est-à-dire on va lever d'abord les filets et ainsi que la cuisse. On va laisser tout en une seule pièce. Voilà, une partie, une deuxième partie. Et ensuite, après, on utilisera la carcasse pour lancer le jus qui accompagnera le pigeon sur le plat. Voilà, donc demi-pigeon, ici et là. On va séparer la cuisse du filet et on va s'occuper de la cuisse, c'est-à-dire qu'on va la mettre à confire tout simplement dans du gros sel. Voilà, il faut compter à peu près 6 heures. Donc directement, là bien recouverte et on met ça au frais. Et après, on la sort, on la dessale, donc on passe sous l'eau, on la sèche et après on va la mettre à cuire avec du vin rouge, des épices et puis des herbes. On va mettre le vin rouge avec des herbes aromatiques, du laurier, du thym, un petit peu d'ail. Les cuisses qui ont été dessalées, on les plonge dans le vin rouge et on va porter le tout à ébullition. On va brûler l'alcool et ensuite on va couvrir avec un papier aluminium ou un couvercle et on va mettre à confire tout doucement au four. Le temps que ça arrive à ébullition et après on va flamber. Voilà, on enlève l'alcool. Donc quand il n'y a plus d'alcool, il n'y a plus de flamme. On va enlever toute l'acidité du vin rouge comme ça. Voilà, et en même temps, les herbes brûlent un petit peu, ça parfume le tout. On couvre et on va mettre ceci au four. Donc maintenant que les cuisses sont en cuisson, on va s'occuper des filets. On prend les filets dans une boîte avec un couvercle et on va les mettre à fumer. Et on va les laisser comme ça jusqu'à ce qu'ils s'imprègnent bien de la fumée. Ça va amener un petit goût supplémentaire très intéressant sur la recette. Après maintenant, on va passer sur la garniture qui va accompagner le pigeon. Donc c'est les pommes de terre. Je suis équipé d'un porte-pièce, mais après chacun adapte sa recette à sa façon. En porte-pièce, faire des cylindres de pommes de terre. Alors l'idéal, c'est aussi d'avoir des grosses pommes de terre. Plus elles sont grosses, plus on peut faire de cylindres et de diamètres différents, de dimensions différentes. Là maintenant, j'utilise un tout petit et on va creuser les pommes de terre. Et alors, une fois que ces pommes de terre seront creusées, on va les cuire à l'anglaise. Une fois que ces pommes de terre seront pratiquement cuites, on va les farcir avec les cuisses de pigeon qui sont en cuisson au four. Alors une fois qu'on a fait les trous, qu'on a évidé les pommes de terre, on va les tailler à bonne dimension, de façon régulière. Et ensuite, on a une casserole, de l'eau, du gros sel, et on va plonger les pommes de terre des ébullitions. 5 minutes, voilà, pour qu'elles restent relativement fermes. Donc le jus de pigeon, qu'on casse la carcasse dans une casserole très chaude avec un petit peu d'huile d'arachide pour redémarrer la coloration. Et avec ça, une fois que ce sera bien coloré, on va incorporer la garniture aromatique, à savoir carottes, échalotes et un petit peu d'oignon. Échalotes pour la garniture aromatique, petite carotte, on arrive à une belle coloration, on incorpore la garniture aromatique. Donc on incorpore du vin, on va déglacer les sucs, c'est-à-dire on va décoller toutes les petites particules qui sont collées à la paroi de la casserole. Là on va apporter à ébullition, toujours pour enlever l'acidité et la crotée du vin.
Et après, on va mouiller avec un petit peu d'eau et on va laisser cuire tout doucement au bord du fourneau. Voilà, donc les pommes de terre sont arrivées à terme de leur cuisson. On va les égoutter, on va les mettre à refroidir. On va tailler une petite garniture aromatique pour accompagner la farce, à savoir donc les échalotes et un petit peu de cébette. Alors donc on a notre jus qui est en cours de finition. À côté, on va démarrer une réduction de vin rouge pour amener un peu plus de saveur au jus, à savoir vin rouge avec quelques épices, de l'anis étoilé, un petit peu de poivre de Sichuan, un petit peu de cannelle aussi et de miel. Je vais passer le jus qui arrive à terme. On passe le jus. Voilà. Et maintenant, on va laisser réduire. Maintenant que le jus a réduit, on va mélanger notre vin Hypocras au jus. Donc pareil, on va filtrer et verser, mélanger. Donc on arrive au terme de la cuisson pour les cuisses. Faire attention de ne pas se brûler, on retire la peau et après on effilochera la viande. Donc une fois dépiautée, on obtient une chair très tendre. Et maintenant, on va tailler une petite garniture aromatique, donc les échalotes et les cébettes. On va incorporer donc à la farce. Donc voyez le mélange, tout est confit. On va maintenant incorporer le foie gras. Voilà, bon, n'hésite pas à bien mélanger, que tout soit homogène. Voilà, qu'on ait quelque chose de très gourmand. Et ensuite, on va utiliser une poche et on va mettre notre farce à l'intérieur. Voilà. Et comme ça, on va pouvoir garnir nos pommes de terre. Et on garnit. Alors bon, il faut être patient et délicat. Voilà, les pommes de terre sont garnies. Maintenant, on va démarrer la cuisson des filets pour arriver au terme de la recette. On a notre vin Hypocras avec le jus de pigeon qui a réduit. On va colorer les pommes de terre donc, qui ont été farcies. Donc un petit peu d'huile d'arachide, un petit peu de beurre et la poêle à côté, on va démarrer la cuisson des filets. Donc bien saisi, à la fin on va rajouter un petit peu de beurre pour avoir une belle coloration. Donc une fois qu'on a obtenu la bonne coloration, on va pouvoir procéder au dressage. C'est un plat qui reste très gourmand quand même. Pommes de terre, le foie gras, le pigeon, un jus à base de vin rouge. Après, hein, vous choisissez la quantité de pommes de terre que vous voulez dans l'assiette. Hein. Et après, le pigeon. Moi, j'aime bien rosé, bien saignant. Notre fameux jus qui a réduit, le vin Hypocras avec le jus de pigeon. On arrose tout autour. Après, c'est suivant votre convenance. Et après, on va finir avec une touche de verdure pour amener un peu plus de couleur. Un petit peu de fleur de sel sur la viande. Et voilà notre plat terminé de pigeon. Pommes de terre farcies, cuisses confites et foie gras de canard. Et donc pour accompagner ce plat, ce vin rouge appellation Gros Hermitage de la maison Chapoutier de 2011. La maison Chapoutier s'est progressivement étendue et diversifiée au cœur des meilleurs terroirs des crus du Nord. En 1990, Michel Chapoutier reprend les rênes de cette maison et convertit l'ensemble du domaine à la culture biodynamique. Très belle couleur. Très joli. Les vins font l'objet de toutes les attentions et du plus grand respect. Le travail de viticulture et de vinification n'est que l'instrument de l'expression la plus fidèle possible du terroir et du millésime. Les vins de cette maison partagent ainsi certaines caractéristiques, telles que la recherche de la complexité et de la finesse. Très bon, très très bon.